Il était convoqué au commissariat à 17h ce mercredi pour rendre des comptes. Le gérant d'une brasserie niçoise qui a bravé l'interdiction en servant une centaine de clients à midi est en garde à vue. Mais pas pour avoir contrevenu aux décrets gouvernementaux anti-Covid-19. Lors de ses contrôles dans l'établissement, la police a découvert que Christophe Wisson employait un étranger en situation irrégulière. Les personnes identifiées qui ont pris part à ce rassemblement interdit ont été ou seront toutes verbalisées. Ont également tenu à souligner les services de l'État dans le département appelant au respect des règles par tous pour la santé de tous. Après avoir pris des réservations par message, ce restaurateur a rouvert sa terrasse couverte ce mercredi pour servir une centaine de clients le temps de deux services. Christophe Wisson, reprenant les slogans « Liberté, Résistance », scandé par ses clients du jour, a servi ses assiettes sans porter de masque, estimant notamment que la pandémie, tout ça, ce sont des mensonges.